Salut à tous, c'est Olivier, papa en cuisine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est Noël, bientôt, pour un menu spécial Noël. Entrée, plat, dessert, une seule vidéo, un menu complet. On attaque tout de suite, c'est parti. Première étape, c'est logique, on va commencer par la fin, par le dessert, on va faire la dacquoise. Alors les dacquoises sont prêtes, enfin prêtes, je me comprends, elles sont prêtes à cuire, elles vont partir au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Pour accompagner la dacquoise, je vais prendre de la mangue et je vais faire une petite compotée avec. Le dessert part au frais, il est terminé et je vais en profiter pour faire l'entrée du menu, les billes de foie gras au pain d'épices. Première étape, je vais mettre le pain d'épices dans le four pour le faire griller et le faire sécher. Pour agrémenter la brunoise de poire, je vais utiliser un petit peu de miel, voilà. C'est juste pour la gourmandise. Hein. Les petites billes sont prêtes, elles partent dans le frigo, le temps de préparer le plat principal, le magret de canard avec sa petite compotée aux érelles. Le canard, pour la cuisson, c'est hyper simple. Vous le faites cuire 10 minutes côté gras et vous le retournez. Si vous le voulez rosé, vous le faites cuire 6 minutes. Si vous le voulez un petit peu plus cuit, vous le faites cuire 8 minutes. Alors les magrets de canard, vous pouvez les accompagner avec une purée, vous pouvez les accompagner avec des pâtes fraîches. Moi, j'ai eu envie de mettre ces petites pâtes de Noël. Il y a des petites formes super sympas, il y a des petits sapins, des petits cadeaux, des petites étoiles, même des étoiles filantes. J'espère que la recette et la vidéo vous ont plu. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez prévu de faire pour le jour de l'an, ce que vous avez prévu de faire pour Noël, si vous le fêtez chez vous, si vous le fêtez en famille, chez des amis, ce que vous avez commandé au Père Noël même, et je veux tout savoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette en vidéo. Ciao.